Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir avoir 100 000 points à la manche 1 sur le mode de jeu Der Anfang de Call of Duty Vanguard Zombie. Alors tout d'abord, les points c'est tout simplement les dollars que vous pouvez obtenir en tuant des zombies. Donc regardez là, je vais tuer des zombies, hop, j'ai obtenu 30 points. Ça va me permettre d'améliorer mes armes, d'acheter des armes dans la boîte, etc. etc. Alors pour réaliser l'astuce et avoir 100 000 points à la manche 1, voire même des points en illimité, vous pouvez faire autant de points que vous voulez avec grâce à cette stratégie, c'est tout simplement d'avoir l'objectif. Vous voyez là, il y a trois objectifs. Il y a l'objectif transmission, attaque éclair et récolte. Eh bien, il faudra aller dans l'objectif récolte. Donc là, je vais lancer le portail pour me diriger dans l'objectif récolte. Et là, je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire. Voilà, quand vous êtes dans ce mode de jeu, donc dans cet objectif, ce que vous devez faire, c'est récupérer des pierres runiques. Voilà, c'est ça qu'il faut obtenir. Il est marqué à gauche. Il faut en obtenir 5, puis ensuite les apporter à l'obélisque pour finir la première phase. En fait, il y a 3 phases. Vous allez devoir donner des pierres runiques à l'obélisque 3 fois, 5 pierres chaque fois. Et bien, ce que vous faites, c'est que vous ne donnez pas les pierres. Et vous tuez les zombies, donc ça c'est les pierres uniques. Vous les récoltez, pour les donner vous appuyez sur carré. Ce que vous faites c'est que vous ne complétez pas l'obélisque et vous ne donnez pas les 5 pierres. Et vous allez cuter les zombies en illimité jusqu'à temps que vous en ayez marre et que vous ayez assez de points. Donc, par exemple là je pourrais monter jusqu'à 100 000 points. Si je joue je sais pas combien de temps, mais il y a moyen que je fasse 100 000 points. Peut-être une heure, voire une demi-heure, je sais pas, j'ai jamais testé. Mais voilà, c'est une astuce qui fonctionne réellement. Vous pouvez faire des points en illimité à la manche 1. Et quand vous aurez terminé, que vous pensez avoir assez de points, bah vous finissez l'objectif et vous allez à la manche 2, tout simplement. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous cutez les zombies, ils vous donnent 25 points. Quand vous tuez les zombies, normalement dans le corps, ça vous donne 20 points. Et quand vous tirez dans la tête d'un zombie, ça vous donne 30 points. Bien évidemment... c'est plus compliqué de tirer dans la tête que de les cuter. Donc moi ce que je vous conseille c'est de cuter tous les zombies que vous voyez en illimité jusqu'à temps que vous ayez un maximum de points. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'atteindre les 10 000 points et je vais vous dire combien de temps j'ai mis pour atteindre 10 000 points dans ce mode de jeu. Alors ce qui est bien aussi c'est qu'à chaque fois que vous tuez des zombies, ils lâchent des munitions. Donc vous avez des munitions en illimité. Et ce qui est bien aussi, c'est que quand vous tuez certains zombies, ils vous donnent des matériaux. Donc là, je suis déjà à 550 matériaux, mais ça fait déjà 5 minutes que je joue. Donc les points ne montent pas si vite que ça parce que les zombies sont assez lents et ils lâchent pas souvent des fois 2. Mais voilà, je suis déjà à 4000 points en 5 minutes. Donc c'est plutôt pas mal comme astuce. Alors je pense que cette astuce pourrait aussi fonctionner avec la tête, donc l'objectif transmission où il faut transporter une tête. Parce que tout simplement si vous ne suivez pas la tête et que vous ne la transportez pas, ben, y a des zombies qui viennent en illimité. Et on n'a pas de timer pour transporter la tête. Donc je pense que ça peut fonctionner aussi avec cet objectif là. Et peut-être que ça peut être même plus intéressant parce que les zombies seront peut-être un peu plus rapides. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous essayez, voir si c'est... un peu plus rapide avec l'objectif transmission. En plus de ça, ben, ce qui est bien, c'est que je débloque des camouflages. Ouais, je fais mes défis de camouflage, donc ça peut être pas mal quand même comme astuce. Hein. C'est pas prise de tête parce que ben, les zombies font vraiment pas mal. C'est assez lent, donc je pense que c'est une bonne astuce pour débloquer les camouflages aussi. Ok, donc regardez, là j'ai un x2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une astuce en fait. Parce que ça fonctionne à chaque objectif. Quand vous voyez un x2 quelque part, si vous terminez l'objectif, les points de l'objectif, quand vous terminez un objectif, sont comptabilisés. Donc vous gagnez, genre par exemple, là je suis niveau 1, si je termine l'objectif, ça me donnera 1000 points. Mais comme j'ai un x2, eh ben, ça me donnera 2000 points. Mais si vous faites un objectif à la manche 4 ou 5, ça vous donne 5000 points. Donc si vous terminez l'objectif avec... avec un x2, vous aurez 10 000 points directement. Donc ça, c'est une petite astuce supplémentaire. Regardez là, je vais terminer l'objectif. Et là, j'ai obtenu 2 000 points supplémentaires. Donc voilà, en 10 minutes, j'ai obtenu 10 500 points
très facilement sur le mode de jeu d'Eren Fang de Call of Duty Vanguard Zombie. Donc voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh.